vraiment navré que ça ait pris autant de temps, Weber. Oh, ce n'est pas grave, ça fait partie des aléas. En tout cas, c'est bien que les contrats soient signés. Si on avait repoussé la signature, le client serait sans doute allé voir ailleurs. Et il n'y a rien qui évolue plus vite que le marché de la machine-outil. Ce qui est à la pointe aujourd'hui sera dépassé demain. C'est important de rester à la page, surtout pour l'entreprise. Et pour vous aussi, Weber. C'est la première fois depuis des mois que vous concluez une affaire de cette importance. Cela prouve que vous êtes encore digne d'être des nôtres. Merci, monsieur Verbeck. Est-ce que votre femme sait que nous rentrons un peu plus tard? Ou est-ce que vous voulez l'appeler? Non, merci. Ce n'est pas utile. Et vous êtes bien marié, n'est-ce pas? Vous avez un enfant? Oui, exact, une fille. Ah. Mais il ne faut surtout pas vous inquiéter pour ça. Je rentre quand je veux. Votre voiture? À l'entreprise. Alors, prenez la mienne, d'accord? Je dois me rendre quelque part et là, je vais sûrement être forcé de trinquer avec les autres. Alors, vous n'avez qu'à aller chercher votre voiture et laisser la mienne sur le parking. Merci, c'est très gentil, mais qu'est-ce que je vais faire des clés? Vous me les rendrez demain. Si vous voulez, je peux peut-être aussi vous déposer à votre rendez-vous. Non, c'est inutile, je prendrai un taxi. Bonsoir. À demain matin. À demain matin. Bonsoir, monsieur Verbeck. C'est moi. Weber. Bonsoir, chérie, c'est moi. Uli, d'où m'appelles-tu? Excuse-moi de t'avertir aussi tard, chérie. La petite dort déjà. Ça fait longtemps. Où est-ce que tu es? Je t'appelle de la voiture. Ça risque de prendre encore un certain temps. Je voudrais juste te dire, Renate, qu'il risque d'arriver des choses cette nuit. Quoi? Je regrette. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Ce seraient des choses positives? Oui, il se pourrait qu'il y ait du changement pour moi. Et que je ne sois plus licenciable. Licenciable? Je ne comprends rien, Uli. De quoi tu me parles? Je t'expliquerai tout ça à la maison. Je vais peut-être rentrer tard, très tard. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Au revoir, ma chérie. Fais attention. Ouais. Je les trouve très jolies. Merci. Tu restes jusqu'à demain matin. Fais-le pour une fois. Inès, les choses sont déjà assez compliquées. Oui, je sais. Quand tu te déplaces pour ton travail, tu rajoutes une heure ou deux. Et quand tu m'as sauté, tu te souviens brusquement que tu as une femme. Inès, je dois partir. Excuse-moi, Harald. Pas très en forme.
Ce collier est vraiment très joli. Ravi qu'il te plaise. Seulement, quand tu me fais d'aussi jolis cadeaux et que tu n'as pas le temps de rester avec moi, à ce moment-là, j'ai un peu l'impression de me faire payer. C'est ridicule. Tu sais très bien que je t'adore. Mon amour, tu veux bien m'appeler un taxi ? Tu n'as pas pris ta voiture ? Gardez la monnaie. Merci. Harald, c'est toi ? Oui, qui veux-tu que ce soit ? Ah, oh, Dieu soit loué, tu es vivant. Pourquoi je serais mort ? Monsieur Overbeck ? Tout va bien ? Vous n'avez rien ? Mais enfin, pourquoi est-ce que ça n'irait pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là en pleine nuit ? Viens, entre. J'ai pensé que c'était toi. Sans ça, j'aurais jamais répondu. Je te parle pas du choc. Il a dit, je tiens votre mari et j'exige une rançon d'1 million de marks. Et surtout, pas de police. Ou alors je tue votre mari. Et il a dit qu'il rappellerait. C'était il y a 2 heures. Tu as mis la police au courant tout de suite ? Mais j'ai prévenu Maître Voss, c'est tout. Non, nous n'avons pas prévenu la police. Nous voulions d'abord savoir s'il ne valait pas mieux prendre toute cette histoire au sérieux. Tu as reconnu le type qui a téléphoné ? Je veux dire, sa voix ? Il l'avait contrefaite. Elle était pratiquement méconnaissable. J'étais trop tendue, de toute façon. Oui, oh, c'était sans doute une plaisanterie. Mais où est-ce que tu étais ? Et pourquoi tu rentres si tard ? Tiens. Ça va te calmer, chérie. Merci. Je suis soulagée qu'il ne te soit rien arrivé. Merci d'être venu aussi vite que cela, cher maître. C'était la moindre des choses. Si c'était une plaisanterie, comme vous avez l'air de le croire, je la trouve de très mauvais goût. Que voudriez-vous que ce soit d'autre ? L'homme qui a téléphoné avait l'air très informé. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il devait savoir que vous n'étiez pas chez vous. Sans cela, son canular n'aurait pas fonctionné. Merci pour les fleurs. De rien. Tu les achètes où ? Une station-service ? Une gare ? Katia, je suis épuisé, j'ai eu une rude journée. Où est-ce que tu étais ? J'étais morte d'inquiétude. Combien de fois faudra-t-il te le dire ? J'étais chez un de mes clients, en compagnie de Weber. Il s'agissait de signer un très gros contrat. En plein milieu de la nuit ? Ce ne serait pas la première fois. Je pensais qu'il s'agissait de cet appel étrange et de mon supposé enlèvement. Oui, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et de mes droits, si tu allais un petit peu trop loin. Qui est-ce ? Elle est jeune ? Bien sûr qu'elle est jeune. Excuse-moi, Katia, je ne comprends rien à ce que tu dis. Monsieur, je m'appelle Matula. Bonjour. C'est bien que vous soyez passé, monsieur Matula. Mon épouse. Bonjour, monsieur Matula. Bonjour, madame. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Vous prendrez bien un café avec nous. Ah oui, volontiers. Sabine, une tasse, s'il vous plaît. Je suppose que vous savez de quoi il s'agit. Oui, maître Voss m'a fait un topo rapide. C'est une simple mesure de précaution. Probablement inutile. Ce prétendu ravisseur n'est, à mon avis, qu'un vulgaire plaisantin. Je l'ignore. Maître Voss ne m'a pas parlé de ça. Il a encore appelé, tout à l'heure. Quand ça ? Oh, il y a 10 minutes environ. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, ma femme a pris la communication. La même chose que cette nuit. Que mon mari avait été enlevé et qu'il exigeait une rançon d'1 million de marks. Qu'avez-vous répondu ? Mais rien. J'ai préféré raccrocher. Et la voix, c'était la même ? Ah, j'en suis persuadée. Il avait l'air... un peu tendu. Mais c'était une voix contrefaite.
Vous ne lui avez pas dit que votre mari était à la maison, à côté de vous? Pourquoi lui aurait-elle dit ça? C'est un malade. Excusez-moi, je dois me sauver. Vous êtes venu en voiture? Ah oui, oui. Très bien, vous allez la prendre. Maître Vos m'a dit que vous aviez besoin qu'on assure votre protection, pas d'une voiture avec chauffeur. Je suis désolé. Ma voiture est à mon entreprise. Si vous voulez, on peut y aller en taxi ensemble. Ou alors, je vous rembourserai l'essence. C'est pas ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre café. Au revoir, chérie. Monsieur Batula, au revoir. Madame, merci. Tournez à gauche. Encore à gauche. Où je dois me garer? Là, près de la mienne. Et où est-ce qu'elle est? Vous m'avez bien dit que votre voiture était là? Oui, je n'y comprends rien. C'est qui, Weber? Suivez-moi. C'est pas vrai, où est ma voiture? Madame Seidel, Weber est dans son bureau. Bonjour, monsieur Overbeck. Non, il doit être un peu en retard. Vous plaisantez, sa voiture est garée devant. Mais je ne l'ai pas encore vue. Essayez de me le trouver au plus vite. S'il n'est pas ici, téléphonez chez lui. Il faut absolument que je lui parle. Par ici. Monsieur Overbeck, je vous avoue que j'aimerais bien comprendre. Il n'y a rien à comprendre, tout est simple. Je suis allé voir un très gros client, avec Monsieur Weber, un de mes collaborateurs, dans ma voiture. Nous sommes rentrés tard et j'avais encore un rendez-vous après. Weber avait laissé sa voiture ici et je lui ai proposé de lui prêter ma voiture pour qu'il revienne chercher la sienne. Et c'est tout. Mais il n'est pas revenu ici. Non, apparemment. Où deviez-vous vous rendre après votre retour? Oh, c'est sans intérêt. Ça n'a vraiment rien à voir avec Weber. Mais ces appels et ce faux enlèvement ont peut-être un lien avec ça? Aucun risque, non. Je ne vois pas comment. Oui, vous désirez? Excusez-moi. Non, Weber n'est pas dans la maison et il n'est pas non plus avec sa femme. Elle m'a dit qu'elle a appelé ici très tôt, avant que je sois arrivée, et elle ne sait pas du tout où il peut être. Merci, Madame Seidel. Envoyez-le-moi dès qu'il se présentera ici. Mm-hmm. Autre chose, il y a un appel pour vous. Un type étrange qui tient absolument à vous avoir. Qu'est-ce qu'il me veut? Ça, il refuse justement de le dire. Il dit que c'est très urgent. Pour vous, surtout. Bon, je vais le prendre. Je vais vous le passer. Merci. Vous permettez? Allô? Qui êtes-vous? Qui est à l'appareil? Je suis Monsieur Overbeck, et vous, qui êtes-vous? Quel Overbeck? Mais il n'y en a qu'un seul. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu mes coordonnées? Par votre femme. Elle prétend que je détiens quelqu'un d'autre. Que voulez-vous dire? Qui détenez-vous? Quelqu'un que je croyais être. Être qui? Écoutez-moi, vous vous êtes trompé. Je suis là dans mon bureau et je me porte très bien. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Interrogez la personne que vous retenez. Regardez donc sa carte d'identité. Ou encore mieux, passez-la moi au téléphone, d'accord? Elle était bizarre, cette voix. Ben oui, c'était une voix trafiquée. Si effectivement il a fait erreur sur la personne, ça devient dangereux. Vous devez signaler sa disparition. De qui? De Weber. Quoi? Tout ça parce qu'il est un peu en retard? Vous semblez oublier sa voiture. Il faut prévenir tout de suite la police. Oui, mais nous ne savons même pas s'il s'agit bien de lui. Mais si, vous m'avez dit que vous lui aviez prêté votre voiture hier soir. Peut-être que c'est lui qui aurait manigancé ça. Weber? Il essaie peut-être de m'extorquer de l'argent? Vous êtes bien détective. Occupez-vous de cette affaire. Mon travail, c'est veiller sur vous, monsieur Overbeck. Ah, ici, dans mon bureau, je ne risque rien. Voilà le numéro d'immatriculation de ma voiture. C'est une Jaguar noire. Ma secrétaire va vous donner l'adresse de monsieur Weber.
D'accord, si vous insistez. Au revoir. À bientôt, monsieur Matula. Oui, Vos. Alors, Yannès, c'est toi qui réponds au téléphone maintenant, ou est la somptueuse Elga? Est-ce qu'elle aurait compris que tu n'étais qu'un vil exploiteur? Elle est chez son dentiste. Tout est rangé en dépit du bon sens, je ne retrouve rien. Au fait, ton Overbeck a voulu se débarrasser de moi. Pourquoi tu dis ça? Mais il était sous mes yeux. Crois-moi, c'était tout à fait évident. Il doit vouloir faire quelque chose sans m'avoir dans les pattes. Le ravisseur a appelé plusieurs fois. Et d'après ce que j'ai compris, en te résumant, il est évident qu'il avait bien l'intention d'enlever Overbeck. Seulement, il s'est trompé de victime. Un certain Weber, un des collaborateurs d'Overbeck. Quand Overbeck l'a compris, il a cherché à se débarrasser de moi. Alors, ne le perds pas de vue. Attends un instant. Voilà un taxi. Je te parie que c'est pour lui. Johannes? Oui? Je crois que tu me dois un bon déjeuner. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai gagné mon pari. De quoi tu parles? C'est un pari à ma façon. C'est celui qui gagne qui décide de l'enjeu. D'accord, je vais le suivre. Je t'en rappelle plus tard. Johannes? Elga est toujours chez son dentiste? D'accord, d'accord. Alors voilà. Overbeck est allé rendre visite à une jeune femme. Elle pourrait être sa fille. Plutôt mignonne. Il s'est rendu tout droit chez elle, manifestement pour lui parler. Mais je sais pas comment elle s'appelle. Laisse-moi finir, tu veux? Bon, écoute. Et ici, sur le parking de l'immeuble, j'ai retrouvé sa Jaguar. Il ne sait pas qu'elle est là. Attends, attends. Voilà la fille. Je te rappelle plus tard.
Johannes, la petite copine d'Overbeck est allée dans une maison dont elle avait la clé. Dans un endroit discret, tout à fait banal. L'endroit idéal pour cacher un prisonnier. Oui, mais elle était vide. Oui, j'ai bien regardé. S'il vous plaît. Bonjour. Vous pouvez me donner un renseignement? Bien sûr. Je cherche un certain Weber, Ulrich Weber. Vous le connaissez? Pas du tout. Il a disparu. On l'a vu ici pour la dernière fois la nuit dernière. Il conduisait une Jaguar noire. Elle est garée là-bas sur votre parking. Qui vous a envoyé? Sa famille. Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Et pourquoi vous vous adressez à moi? Parce que vous vivez ici. J'interroge tous les gens de l'immeuble. Dites plutôt la vérité, que Madame Overbeck vous envoie. Ou c'est peut-être son mari en personne. Là, c'est moi qui suis perdu. Overbeck, c'est qui ça? Vous êtes là pour m'espionner ou quoi? Il pense vraiment que je suis mêlée à ça. Est-ce que ce Overbeck aurait des raisons de le croire? Ça ne regarde que lui. Au revoir, monsieur. Attendez une minute. Dites-moi au moins votre nom. Comme ça, je viendrai plus vous déranger. Il est écrit à côté de la sonnette. Troisième rang à droite, troisième en partant du haut. Quel idiot! Bonjour madame, y a rien à la télé? Vous allez chez les Weber? Ah, vous devez être voyante. Ah, elle est sortie avec sa fille. Vous devez sûrement savoir où elles sont allées. Au terrain de jeu qui est là-bas. Elles y vont toujours à cette heure-ci. Merci madame, j'aime bien les gens qui savent toujours ce que font leurs voisins.
Bonjour, Madame Weber. Vous permettez? Oui. Vous vouliez me voir? Ouais. De la part de mon mari? Ah, pas du tout. On m'a chargé de le retrouver. Pourquoi? Où est-il? Mon nom est Matula. Je suis détective privé. Mon employeur et son patron, Monsieur Overbeck. Je pense qu'il sait sûrement où mon mari est allé. Il est parti avec lui hier pour voir un gros client. Il dit qu'ils se sont quittés après être revenus en ville. Mon mari m'a raconté tout à fait autre chose. Regarde, maman, ce que je t'apporte. Oh, tu as trouvé des pommes de pin, hein? Oh, j'en garde une. Je vais bientôt venir jouer. Quand avez-vous parlé à votre mari? Hier soir, il m'a appelé chez nous. Pour dire qu'il rentrerait peut-être tard. Très tard, même. Il est midi, vous n'avez pas essayé d'en savoir plus? Bien sûr, j'ai déjà appelé à son entreprise alors qu'il m'avait dit de ne surtout pas m'inquiéter pour lui. Mais personne ne savait où il était. Et il avait aussi dit autre chose. Quoi donc? Il a peur de perdre son emploi depuis quelques mois déjà. Il ne serait soi-disant pas assez rentable pour sa société. Et hier, il m'a dit qu'après cette nuit-là, il avait toutes les chances de ne plus être licenciable. Licenciable? Joseph, reste au volant. Tu peux dire que tu tombes bien, toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Démarre, vite. Et on va où? À droite, vers la gare de marchandises. Vous ne pouvez pas rester là. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Hé, oh, Bernie! C'est bon, je connais. Bonjour, Joseph. Comment va la famille? Bonjour. J'ai trop de boulot, c'est à peine si je les vois. Quand je suis rentré chez moi hier, mes enfants ont dit « Qui c'est, celui-là ?» J'ai déjà entendu celle-là. Je sais. Monsieur Overbeck? Oui, c'est moi. Kirsten, merci d'être venu aussi rapidement. Je n'avais pas trop le choix. Mon avocat, Maître Vos. Nous connaissons. Directement un avocat, vous pensiez que c'était nécessaire? Oh, je passais dans le coin. Comme par hasard. C'est là qu'on a trouvé le corps. Couché par terre. Venez par ici. Est-ce que c'est votre collaborateur qui avait disparu? Oh, mon Dieu. Ah oui. C'est Weber. On aurait dit une momie. Tout le corps avait été enveloppé avec du ruban adhésif. Il s'est étouffé? Oui, il était dans un sac poubelle, il a dû aspirer le sac en respirant, et comme il avait les mains coincées, vous imaginez. C'est monstrueux. C'est pas un travail de pro. Où ça a pu se passer? À peu près n'importe où, pourquoi pas dans un coffre. Tu veux dire le coffre d'une voiture? Oui, il a bien fallu qu'on le transporte là. Vous avez bien passé toute la journée d'hier avec lui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai d'autres questions à vous poser. Oui, bien sûr, posez-les. Je serai bref, nous n'avons rien trouvé sur le cadavre qui pouvait nous donner une idée de son identité. Pas de papier, aucun portefeuille, juste ce tout petit bloc. Vous reconnaissez cette écriture? Regardez encore. À l'aller, un appel sans citer une seule fois son prénom, ce n'est manifestement pas sa femme qu'il parle. Il lui dit qu'il va passer la voir le soir même. Avant de rentrer une courte halte chez un bijoutier, il revient avec un petit paquet cadeau. Pour qui? Point d'interrogation. Ce « il », est-ce que c'est vous? Pourquoi pensez-vous que mon client serait mêlé à ça? Continuez à lire. De retour à F, il me prête sa voiture et prend un taxi. 4 Hanseringstrasse. Il sonne. Il n'a pas la clé, on lui ouvre aussitôt sans lui demander qui c'est. Et est-ce que cette adresse vous dit quelque chose? Non. Pourquoi cette question? Parce que j'ai bien l'impression que son employé espionnait votre client, cher maître. C'est ridicule, je m'en serais aperçu. Et où est votre voiture? Nous pouvons la voir. Attendez.
Qu'est-ce que c'est, au juste? L'audition d'un témoin ou une garde à vue? J'interroge un témoin que j'ai informé précédemment de ses droits. Il sait que rien ne l'oblige à répondre s'il estime que ses réponses pourraient l'incriminer. Voulez-vous continuer ou non à témoigner, Monsieur Overbeck? Oui, évidemment. Alors, où est votre voiture? Eh bien, elle est... Attendez... En fait, je n'en sais rien. C'est quoi comme voiture? Une Jaguar XL, noire. Ce n'est pas une petite voiture. Je l'ai prêtée à Weber hier soir. Nous étions partis voir un de nos gros clients. Et je n'avais plus besoin de ma voiture. Je devais me rendre à un autre rendez-vous. Monsieur Weber vous a parlé quand il vous a déposé près de votre rendez-vous? Non, j'ai pris un taxi pour y aller. C'était quoi votre rendez-vous, monsieur Verbeck? Personnel. Ça n'était pas pour affaire. Est-ce que vous savez si votre employé vous espionnait souvent comme ça? Il vous faisait chanter, non? Où voulez-vous en venir, Kirsten? Où voyez-vous matière à chantage dans cette histoire? Ces mots sentent l'adultère à plein nez. Certains préfèrent encore avoir affaire à un maître chanteur plutôt que de devoir divorcer. Oui, mais la preuve, où est la preuve que c'est de monsieur Overbeck qu'il est question dans ses notes? Monsieur Overbeck, je vais demander à ce qu'on vous mette en examen. Je vous accuse d'avoir assassiné votre employé, monsieur Ulrich Weber. Vous avez le droit de parler et de nous dire tout ce que vous voudrez. Ou de vous taire. Bon, ça suffit. Allô. Oui, venez. Mon client n'a plus rien à vous dire pour l'instant. Au revoir, monsieur le commissaire. À bientôt. Alors, ça a été? Vous vous êtes amusé avec mon ami Bernie? Il est malade, ce type. Il a l'air de croire que je serais mêlé au meurtre de Weber. C'est pas étonnant, vu vos réponses. Ouais, dites qu'il a raison. Tout ce que je vois, c'est que vous n'avez manifestement aucune envie qu'on éclaircisse cette histoire. Mais que vouliez-vous que je dise? Oh, monsieur Overbeck, vous oubliez ce faux enlèvement, tous ces coups de fil que vous avez reçus et la méprise qui s'est apparemment produite. Mais vous, pourquoi vous ne lui avez rien dit? Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis votre avocat. Ah, je vois. Et vous pensiez que vous alliez me nuire en lui racontant la vérité? Ouais. Vous ne savez pas du tout où est votre voiture. Vous le savez, vous? Oui. Où? Allez, montez, on vous y conduit. Mais comment elle est arrivée là? Tenez. Vos clés. Où elles étaient? À l'intérieur. Monsieur Matula vous a suivi ce matin. Ce qui veut dire que vous m'avez espionné? Vous m'avez demandé d'assurer votre sécurité. Alors forcément, je vous quitte pas des yeux. C'est qui la jolie fille que vous êtes venue voir ce matin? Ça ne vous regarde pas. Monsieur Overbeck, une de vos relations habite ici. Votre voiture est là. C'est pas une coïncidence. Je crois qu'on a le droit de se demander s'il n'y aurait pas un lien entre votre visite chez cette personne et ce plan pour vous enlever. Aucun risque. Vous préférez qu'elle reste en dehors de ça? Bien sûr, puisqu'elle n'a rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, pour moi, c'est une affaire réglée. C'est pas l'avis de la police. Il y a un mort et c'est vous qui êtes soupçonné. Oui, ben je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Vous êtes venu voir cette jeune personne. Weber vous a suivi dans le but de réussir à garder son emploi en pensant peut-être vous faire chanter. Il se trouvait ici, dans votre voiture. Ça me paraît évident qu'on a dû le prendre pour vous. Et c'est évident aussi que vous étiez attendu par des personnes très mal intentionnées. Comment a-t-il pu savoir que vous alliez passer si ce n'est par votre ami? Ça suffit, arrêtez avec ça. Quel est son nom? Arrêtez maintenant. Je n'ai plus besoin de vos services. Et vous pouvez m'envoyer vos honoraires tous les deux qu'on en reste là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu l'as entendu, moi j'en ai assez qui nous mène en bateau. Johannes, c'est évident qu'il est perturbé. On doit assurer sa protection, contre sa volonté s'il le faut. Réfléchis un peu. Il fréquente une jeunette qui pourrait très bien être sa fille. Elle a l'idée de lui extorquer un peu de fric. Ça tombe très mal, il n'enlève pas le bon et il se débarrasse de lui. Oui, peut-être que ça s'est passé comme ça, mais pourquoi refuse-t-il de nous aider à éclaircir tout ça? Et parce qu'il n'a pas envie de la perdre. Ah, il y a un seul ennui. Elle sait qu'il a dû tout comprendre. De quoi tu parles? S'il la dénonce, elle va risquer très gros. Elle ne va sûrement pas attendre qu'il soit retombé de son petit nuage. Tu veux dire qu'elle pourrait essayer de le tuer? Elle ou son complice. Ils n'ont plus rien à perdre. Il faut qu'on trouve son nom. Et celui de son complice. Je crois que tu devrais te charger d'elle. Oh non, mais attends un peu. Je ne l'ai jamais vue. Il y a des centaines d'habitants ici. Elle a une bicyclette. Elle est par ici.
Bon, d'accord. Bah, attends, et toi, tu vas faire quoi? Le ménage. Bonjour, vous êtes Monsieur Felling. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous vendre quelque chose. J'ai besoin de rien. Allez-vous-en. Eh non, attendez. Même des informations sur une jeune femme que vous devez connaître. Je vous le redirai pas deux fois. Allez-vous-en. Elle a la clé de cette maison. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voyez qu'on peut s'entendre. Je suis détective privé. La personne qui m'emploie est une dame trompée par son mari. Je suppose que vous savez de quoi je parle, là. Non, aucune idée. Son mari s'appelle Overbeck. Et alors? Alors, la jeune femme avec qui il la trompe, c'est elle qui possède une clé d'ici. Et comment vous savez qu'elle a une clé de chez moi? Je peux entrer? Alors? J'attends. Les ordinateurs, c'est comme les mots croisés. Toujours la même chose. Idéal pour s'abrutir. Seulement, on n'arrive pas à s'en décrocher. Comment vous savez pour la clé? Elle a ouvert la porte avec. Elle est entrée chez moi? Quand ça? Il devait être midi. C'est elle qui a fait tous ces dégâts? Il y a des chances. Qui est-ce? Vous d'abord. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Non, vous d'abord. Dites-moi son nom. Non, vous, je vous le dirai quand vous aurez parlé. Elle était ici, pourquoi? Son nom, d'abord. Vous ne savez pas qui c'est? Tout ce que je sais, c'est qu'elle couche avec le type qu'on m'a chargé de surveiller. Ce monsieur Overbeck? Ouais. Sa femme voudrait connaître son nom. À n'importe quel prix. Inès. Inès Probst. Qu'est-ce qu'elle a fait chez moi? Elle a ouvert, et ensuite elle est entrée. Et après? Mais c'est tout ce que j'ai vu, j'étais dehors. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Elle est aussi allée dans le garage. Ah. Et comment vous savez ça, puisque vous étiez à l'extérieur? Facile, elle est ressortie par le garage. Et qu'est-ce qu'elle a pu y faire? Elle devait chercher quelque chose. Quoi? J'en sais rien. Si on allait voir... Belle caisse. Quand votre copine est venue, cette voiture n'était pas là. Ce n'est pas ma copine. Oh, qu'est-ce qu'on a brûlé là-dedans? Il y a une chose que je ne comprends pas bien du tout. Je ne vois pas vraiment le rapport avec elle. Moi non plus, et c'est pour ça que je vous le demande. Je me trouvais dehors. Si elle avait fait brûler un truc, je l'aurais senti. Personne n'a dit que c'était elle. Ben, si c'est pas elle, c'est forcément vous. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez fait brûler, non? Dites-moi ce que vous voulez exactement. Je vous l'ai déjà dit. Trouvez ce que votre copine est venue faire ici. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas ma copine. Vous voulez savoir ce que je me suis dit quand elle est entrée ici? Qu'elle était venue voir un prisonnier. Quelqu'un qu'on avait enfermé là. Vous vous croyez où, là? On n'est pas au cinéma, que je sache. Votre copine était avec Overbeck. Et un des gars qui travaillait avec lui s'est fait enlever. Manque de chance, c'était pas le bon. Mais qu'est-ce que vous racontez? Y a personne ici, regardez. Bonne idée. À vous parler d'un détective. Où est-ce que j'aurais pu enfermer quelqu'un? Vous avez dû le ligoter avec ça. Et ça, c'est tout ce qui reste de son portefeuille et de ses papiers. Bon, ça suffit. Je commence à en avoir assez d'écouter vos délires paranoïaques. Sortez d'ici ou j'appelle la police. Ça sera pas nécessaire, elle va arriver.
enfin. Alors ? Ah, c'est pas un boulot pour moi. Faire le pied de grue pour surveiller un vélo pour dame, j'avais l'impression d'être un voyeur et personne ne l'a utilisé. Et de ton côté ? Il s'agit d'Inès Probst. Comment tu le sais ? Elle a un complice. Felling, Dirk Felling, c'est son nom. C'est lui qui me l'a dit. Volontairement ? Bon, bah tu me connais. Mais il faut choisir les bonnes questions. Oh. Et c'est pas commode. On aura du mal à le coincer. Très bien. On n'a qu'à commencer par elle. Pour toi, ça devrait être un jeu d'enfant. Il s'amène. Qui ? Felling. Bah oui, c'est bien lui. Je lui ai mis un peu la pression et ça a réussi. Il te connaît pas. Dépêche-toi. Grouille. Voilà, voilà. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui te prend de débarquer comme ça? Bingo. Je veux savoir ce que t'es venu faire chez moi. Commence par retirer tout ton bazar de ma cave et restons-en là. Je le retirerai quand tu m'auras dit ce que t'es venu faire chez moi. Je ne suis pas allée chez toi. Madame... Oh, écoute, ne mens pas, je l'ai appris par hasard. Parce que tu crois n'importe quoi. Tu vas prendre ton matériel informatique débile et tu vas foutre le camp. Bonjour, mademoiselle Probst. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si vous permettez, je vous présente Maître Voss, l'avocat de Monsieur Overbeck. On peut entrer? Oui, entrez vite. Vous tombez vraiment au bon moment. Merci. C'est sympa chez vous. C'est le type dont je te parlais. Il t'a vu entrer chez moi vers midi. Oui, c'est exact. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire chez moi? Ça nous intéresse, nous aussi. Ça n'a pas à vous intéresser. Et d'abord, de quel droit vous débarquez ici? Comme vous le savez, un collaborateur de M. Overbeck a été enlevé. Probablement parce qu'on l'a pris pour M. Overbeck. La police a retrouvé tout à l'heure son cadavre. Il est donc naturel que M. Overbeck s'intéresse d'assez près à cette affaire. Vous ne pouvez pas attendre que j'ai terminé. J'en ai pour une minute. Je suis juste venu chercher ma clé, c'est tout. Tu auras ta clé si tu me rends la mienne avant. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester? Non, merci. Que voulait-il vraiment? Nous étions ensemble, mais on s'est quittés, et maintenant on se rapporte nos affaires. J'ai surtout l'impression que vous nous jouez la comédie. Je peux? Vous étiez en train de parler, nous arrivons, et vous changez de sujet. Je pose quelques questions à votre ami, et à peine j'ai tourné le dos, il se précipite ici pour vous voir. Pourquoi ça? Dites-le-moi si vous le savez. C'est pas du toc, ça. Pourquoi? Vous devez avoir dans les 20 ans et Overbeck 50 et quelques. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors? Ce que vous faites de votre vie, ça nous est égal. Ce qui nous dérange, c'est qu'on veuille l'enlever pour demander une rançon. Alors dans votre intérêt, mademoiselle, vous feriez mieux de nous dire enfin la vérité. Monsieur Overbeck était dans votre appartement avec vous. Et on a retrouvé sa voiture garée devant chez vous. Forcément, il y a eu une méprise. Si j'étais mêlée à ça, comme vous le dites, il n'y aurait pas eu erreur sur la personne. Et si vous croyez que c'est moi qui aurais servi à la pâtée, vous êtes vraiment ridicule. Allez-vous-en. Au revoir. Et si elle avait dit la vérité? Si ta théorie qu'elle avait servi à la pâtée était fausse? T'en as une meilleure, toi? Non. Ou aussi, celle de ton ami Kirsten. Overbeck s'offre une jeune maîtresse, il s'aperçoit que quelqu'un l'a appris, il tue cette personne parce qu'il ne veut pas tout partager avec sa femme si jamais elle demande le divorce. C'est ça, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vois pas ce que ça a de compliqué. Serre-toi de ta tête. Il fait croire qu'on voulait l'enlever et qu'il y a eu erreur sur la personne. Il saucissonne le type qui était au courant et le laisse mourir étouffé au lieu d'en finir au plus vite. Pourquoi il aurait fait tout ça? Pour nous égarer? Mais c'est sûr que tu es plus doué que tout le monde, Joseph. Je ne fais pas partie de ces femmes qui, tout à coup, se sentent trahies dans tout leur être. Tout ça parce que leur mari leur a été infidèle pendant un certain temps.
Ça, je voulais que tu le saches. Katia, j'aurais dû t'en parler depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça dure ? Quelques semaines. J'ai fait sa connaissance tout à fait par hasard. Enfin, je ne suis plus vraiment sûr que ma rencontre avec elle était bien due au hasard. J'étais en train de manger seul dans un restaurant et elle m'a demandé si elle pouvait s'asseoir à ma table. Tu penses qu'elle pourrait avoir quelque chose à voir avec l'enlèvement ? Ça, je n'en sais rien. Oui, mais si tu le savais, est-ce que tu préviendrais la police ? Je lui ai bien dit que je le ferais. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu témoignerais contre elle, si ça en arrivait jusque-là ? Ou est-ce que tu essaierais de la protéger ? Je ne sais pas. Tu ferais bien mieux d'y réfléchir. Car il faudra que tu choisisses bientôt. Ça, tu peux me croire. Bonjour, Helga. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez plus me parler ? Oh là là ! Qu'est-ce que vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est votre dentiste, hier. Vous devriez changer de dentiste, prendre un as de la roulette, pas un champion du burin. Tenez, pour vous consoler, une petite souris est tendre et moelleuse. Je peux entrer ou il a de la visite ? Ça veut dire quoi, ça, que je peux entrer ? Bonjour, Johannes. Bah, dis-moi, elle est vraiment pas belle à voir, Helga. Tu devrais lui conseiller d'aller voir ton dentiste. Elle n'aurait pas les moyens. Il n'est pas conventionné, elle ne serait pas remboursée. Il devrait prendre exemple sur ton monsieur Overbeck. Je suis sûr qu'il est venu te régler tes honoraires alors qu'il a même pas encore reçu ta note. Monsieur Overbeck est là parce qu'Inès Probst a disparu. Comment ça ? Elle a soudain pris peur et a préféré s'enfuir ? Inès n'a rien à voir avec mon enlèvement raté. Je vous l'ai dit pourtant plusieurs fois déjà. En tout cas, je me refuse à croire qu'elle pourrait être impliquée. Et comment vous savez qu'elle a disparu ? Je suis passé la voir, elle n'a pas ouvert. Et son vélo n'est plus là. D'accord, d'accord, elle n'était pas chez elle. Mais ça prouve quoi ? Nous nous téléphonons tous les matins, dès que je suis arrivé au bureau. Il s'agit d'un véritable rituel. Vous connaissez Dirk Felling ? Felling ? Ouais. Pourquoi vous parlez de lui ? Vous le connaissez ? Non, pas personnellement. Mais Inès m'a parlé de lui. Oui, c'était mon prédécesseur. Enfin, en tout cas, il a dû essayer. Je lui ai parlé. Avec pour conséquence qu'il s'est aussitôt précipité chez Mademoiselle Probst. Vous pensez qu'il aurait quelque chose à voir là-dedans ? Vous croyez ça possible ? Il a l'air un peu détraqué. En tout cas, d'après ce qu'elle m'avait raconté. Et il a gagné énormément d'argent grâce à une invention. Une sorte de jeu vidéo qui s'est très bien vendu. Ce qui fait qu'après, il a interrompu ses études. Mais il n'était pas très doué pour ça. Inès disait que depuis que ça avait marché, il passait tout son temps planté devant ses ordinateurs pour essayer de trouver un jour un autre produit miracle. Je passe par derrière. Vous ? Bonjour, monsieur. Vous voulez bien qu'on entre ? Non, je regrette. Je n'ai pas le temps pour le moment. Ah, écoutez, c'est très urgent. Laissez-nous entrer. N'insistez pas, puisque vous ne pouvez pas entrer. Ce n'est pas vous que nous venons voir, mais Mademoiselle Probst. Elle n'est pas là, nous sommes séparés, vous le savez bien. Nous aimerions nous en assurer nous-mêmes. Maintenant, ouvrez-nous. Je regrette, vous devrez me croire sur parole. Non, je suis désolé, mais nous n'avons pas assez confiance en vous. Ah, voici monsieur Overbeck que vous vouliez enlever. Je ne comprends rien à ce que vous dites, alors partez, ça ne sert à rien. Oh, puisqu'on a dit, ouvre. Entrez. Où est-elle ? Allez, allez voir en haut. Nous, on va à la cave. Avance. Ah ! Tu te dépêches, oui. Inès ? Mademoiselle Probst ? T'as intérêt à me dire où elle est. Hé, mais vous êtes cinglé ! Ça va, boucle-la.
Et ça, c'est pas son vélo, peut-être? Alors? C'est mon vélo. Nous sommes séparés, alors je suis allé le chercher, c'est tout. Et un vélo pour dame. Ouvre la porte. Mais pourquoi? Boucle-la un peu ou je m'énerve. Ouvre le coffre. Vous savez, ça commence à devenir lassant. Ouvre! C'est avec ça que tu l'as attaché, comme Weber? Y a personne en haut, Joseph. Et personne non plus dans la chaufferie. Où est-ce que tu l'as planqué? Avance! Arrêtez! Arrêtez! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Allez, toi, un coup. Où est-elle? J'en sais rien, je vous le jure. Allez, c'est ma tournée. Je voulais pas faire ça. C'était pas lui, j'ai voulu le laisser filer seulement. À la place, tu lui as mis un sac en plastique sur la tête, c'est ça? Aucun juge ne croira à un accident, c'était un meurtre prémédité. Ce qu'il a fait lui, c'est 100 fois pire. Il a foutu notre amour en l'air avec sa saleté de fric. Ça suffit, hein? Où est-elle, Féline? Je vous y conduis. Hier soir, elle a débarqué devant ma porte et elle m'a menacé. Elle a dit que je devais aller me livrer à la police et tout leur dire sans ça. Je te conseille de prier pour qu'elle soit pas morte. Depuis combien de temps? Oh mon Dieu, non. Inès. Oh mon Dieu. Inès, Inès. Elle est vivante? C'est fini, mademoiselle. Ça va aller. Laissez-moi faire. Vite, ouvrez. Ça va aller. Joseph, tu as un couteau? C'est fini. Du calme, ça va aller. Je t'aime. Courage, c'est presque fini. Encore un peu de patience. Ça va aller, c'est fini. C'est que t'as de la chance, toi. Allez, avance. Oui, le commissaire Karsten, s'il vous plaît. Allô, Bernie? C'est moi, Joseph. J'ai un client pour toi. Sur le terrain vague de l'ancienne gare de triage. D'accord, je vous attends. Dans ta main gauche, j'ai un cadeau pour toi. Tu es prêt à porter.